Maverick Vinales, vainqueur du Grand Prix des Amériques après une remontée folle face aux cadors du championnat qui n'ont pas démérité. Bien au contraire, nous allons en débriefer dans Flag to Flag. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau débrief pour débriefer, bien sûr, du Grand Prix des Amériques. Et comme d'hab, avec moi, la même équipe, Rémi Guyot, comment tu vas ? Salut Margot, salut Yann, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Franchement, on peut que être trop content, quoi. C'était un bon week-end de moto, quoi. Oh, t'étais dans un meeting politique, là. Ah ouais, c'est vrai, tu trouves ? Ah, sympa. Je vous ai compris. J'ai pris de l'ancien. Mais t'inquiète, moi, j'ai la rêve. Comment tu vas, Yann ? Écoute, ça va, notre cher pro Acosta, j'espère que tu vas bien, notre cher pro Apria, j'espère que vous allez bien. Tu vas ramasser aujourd'hui. Ouais, j'ai fait exprès, vous allez bien, mes amis. Dimanche soir, bien dormi. Ouais. Bonjour à tous dans le chat, merci d'être avec nous. Salut Kevin, salut Adrien, bonjour à tous. Et n'oubliez pas que cette émission est disponible en replay si vous ne pouvez pas la regarder dès à présent en direct et bien sûr en podcast comme à chaque fois. Et on va commencer déjà par parler de ce Yann, je t'aime, t'as des fans. Ouais, mais on se connaît bien avec Kevin. Moi aussi, je t'aime. Il est très sympathique, hein, ouais. Très sympathique à chaque fois. Je lui dois de l'argent. Ce commentaire m'est venu dans le coin de l'œil, ça m'a coupé. Du coup, il faut que je le dise. Alors, le résultat de ce Grand Prix, on va commencer par ça, bien évidemment, avec, comme je l'ai dit, Maverick Vinales, le vainqueur du... Ah, la Code Killer, autant en parler maintenant. Ouais. Bien sûr, félicitations à Loïc 664 qui a eu le nez creux samedi matin en misant 50 euros sur Maverick Vinales qui avait une cote à 8,5 pour la victoire le dimanche et qui a remporté 425 euros. Bravo. Ça m'étonne pas, hein, parce que forcément, je pense qu'il a dû ouvrir les feuilles d'essais libres et il a vu qu'il avait un rythme de folie. Donc ça, c'est avoir le nez fin et savoir provoquer sa chance. Bravo Loïc, tu vas pouvoir te payer le contrôle technique de ta moto et celui de tes potes. Donc c'est cool, voilà. Il fallait que je place ça aujourd'hui. Yep, c'est passé comme une lettre à la poste. Donc on va partir sur le résultat de ce... on va passer sur le sommaire, du coup, avec... On peut juste avant, Rémi, on peut applaudir Margot pour son interview avec Johan Zarco. Franchement, incroyable son interview. On est d'accord, avec Benjamin, bravo. Ouais, franchement, merci. 100% retour positif, voilà. Trop forte. Quoi. Merci beaucoup, les gars, ça me fait plaisir. En plus, franchement... Ça y est, on arrête de te couper. Hein. En plus, non, franchement, c'était incroyable, c'était trop bien, on a... trop bien parler et avoir un double champion du monde pendant 1h45 où tu peux changer de tout sans filtre. Puis en plus, Johan Zarco est comme ça, hein, sans filtre, donc c'était un plaisir. Donc merci à lui et j'espère que cette interview vous plaît. Bien évidemment, elle l'a retrouvée sur Winamax, sur YouTube et vous pouvez déjà aller la voir après l'émission, restez avec nous pour l'instant. Donc le sommaire ou le résultat, ouais, on va passer au sommaire du coup. On va passer au sommaire, bien sûr, on va parler du Grand Prix des Amériques qui a été spectaculaire. Le Grand Prix, en un mot, j'ai hâte de connaître vos deux mots, mes chers amis Rémi et Yann. Ensuite, on va passer au débat de cette émission, le Block Pass. Est-ce la course référence de la saison ? On ne s'est pas ennuyé, ça c'est sûr, il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va revenir sur plusieurs pilotes. Je ne vous en dis pas plus, il faut rester encore un petit peu pour connaître le nom de ces pilotes dont on va parler. Bien évidemment, suivra Time Attack, où nous allons revenir sur Acosta, Honda, la cata chez Honda, j'avais préparé la vanne, ensuite Bastianini et d'autres points dont nous parlerons aussi, comme Aleix Espargaró dans Map 8. Et bien sûr, nous allons... prévenir le Grand Prix d'Espagne à Jerez, à l'Aspi, savoir vos top 3 pour la suite de ce du championnat. Pardon. Je ne vais pas faire trop le malin non plus, parce que le top 3, ça peut mettre Yann en position de force, donc on va rester humble ce soir. Attends, t'avais pas parié sur Vinales Sur le Grand Prix d'avant ? Pour le Grand Prix là ? Non, malheureusement, j'avais parié sur Pecco, j'avais charrié Thomas en lui disant qu'il ne voyait pas Pecco gagner alors qu'il était leader en 2023. Du coup, non, je me suis un peu manqué... Mais bon, pas autant que Yann qui voyait flopper Maverick Vinales cette année. Voilà, ça faut pas. C'est un peu manqué. J'aime bien les petits mots qu'il utilise à chaque fois, ça me fait un petit peu sourire, si je peux me permettre. Donc, bon rappel, donc, Vinales vainqueur du Grand Prix, suivi de Pedro Acosta et Jorge Martin, qui a complété... non, pas Jorge Martin, Enea Bastianini, pardon. Excusez-moi. Sur le podium. Sur le podium, ouais. C'est parce que je me suis devancée, puisque Jorge Martin
et leader du championnat. Il a terminé aux portes du podium, mais il est toujours leader du championnat avec 21 points d'avance sur son meilleur ami, Enea Bastianini, suivi de Maverick Viñales, qui a fait un très, très bon week-end. On va revenir, bien évidemment, sur la performance de l'Espagnol, qui a remporté le premier Grand Prix, son premier Grand Prix sur l'Aprilia, ce qui fait de lui le seul dans l'ère MotoGP à avoir gagné avec trois constructeurs différents. Thomas Morcellino nous en parlait beaucoup de cette stat, il a enfin pu l'officialiser. Et dans le, à la fin du top 5, Francesco Bagnaia, qui leader, champion en titre, se retrouve quand même pas mal devancé à 30 points. C'est ça ? 30 ouais. points, oui, je suis trop forte en maths. Bref, je vous propose qu'on passe directement au Grand Prix en un mot. Par qui je commence ? Allez, vas-y Rémi. Merci Margot. Le mot que j'ai choisi. Il va avoir le melon toute l'émission comme ça, là, dans le tissu et tout ou pas ? Non, parce que voilà, là, mais tombé, Vinay, ça a gagné, je suis mort. Je vais pas trop te taquiner, mais laisse-moi avoir des petits regards. Je te reconnais sereins, pas, je n'étais pas comme ça d'habitude. Oh là là. Alors, surtout que j'ai choisi un mot un peu technique pour pouvoir flexer, comme on dit. Tu vois. Oh, t'as pris 10 ans là. On le disait, hein, 27 ans, ça se fait vieux un petit peu déjà. Mais bref, le mot que j'ai choisi, c'est le mot émoustillant. Parce que j'ai été émoustillé, tout simplement, durant ce Grand Prix. Lors du départ, de voir Viñales se manquer un petit peu, être incapable de remonter, de voir tout le monde aux avant-postes, tous les cadors, quoi, avec les Marquez qui prend la tête, j'étais comme un fou. Je voulais le revoir gagner. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais on verra tout ça après. Mais voilà, franchement, ça a été juste un Grand Prix fou. On a été tenu en haleine tout au long du Grand Prix. Après, la chute de Marquez est un peu perdue, mais bon, bref, c'était quand même bien. Viñales, il y a eu une belle bagarre avec Acosta aussi, et Acosta nous a fait vriller comme pas possible, donc voilà, émoustillant, et ça donne envie d'arriver à GRS très très rapidement, parce que ça, c'est le MotoGP qu'on aime. Du spectacle, on n'en a pas manqué. Yann, dis-moi quel était ton mot. Bon, moi, je vais faire simple, quelqu'un de normal de la vie, je vais dire excitant. C'était une course excitante, on a eu exactement tout ce qu'on voulait, on veut que ça frotte, que ça touche, que ça double tout le temps, que ça rate des trajectoires, que ça sacrifie sa trajectoire pour doubler. On a eu exactement ce qu'on voulait. Merci à Maverick Viñales d'avoir raté son départ, parce que ça aurait été quand même bien différent. Et quand même, je me permets de dire que c'est le sport mécanique le plus spectaculaire. J'envoie un petit message à la Formule 1, je me suis fait des potes hier sur Twitter, je continue là-dessus. Voilà, on s'est pas ennuyé, ça c'est du spectacle, merci la vie. Et attention à Liberty Media parce que Yann vous aura bien à l'œil, je crois. Attends, c'est pas encore officiel. On veut du spectacle sur la piste et pas en dehors, voilà, ouais. C'est ça je comprends. Attends, c'est pas encore officiel. Enfin si, techniquement c'est officiel, mais il faut attendre que ce soit validé par les instances, etc. Voilà. Vous savez qu'il y a encore du boulot à ce niveau-là. Eh bien, écoutez, merci pour vos mots, messieurs. Et je propose qu'on passe directement au bloc pass parce que nous avons quand même beaucoup, beaucoup de choses à dire parce que nous allons revenir sur le Grand Prix de manière générale. Donc, direction le bloc pass. Le résumé de ce débat. Alors, nous allons parler de plusieurs pilotes. Martin, Viñales... Bagnaia, vous êtes en rythme, hein, okay. Ouais. En même temps, il y a tout le monde, il y a quasiment tout le plateau. Dans et tous les cas, Jorge Martin. Ah non, on n'a pas tout le plateau, attends, on en a gardé un petit peu pour le beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à la France Grand Prix, là, on a trop hâte, là, sérieux. Il n'y a pas Nakagami, il n'y a pas Morbidelli. D'ailleurs, Morbidelli, il a déjà pris une balle perdue dans les chats, toujours un zéro pointé dur. Effectivement, c'est compliqué pour le pilote. Ouais, mais, le on en parlera une prochaine Martin. Fois, c'est pas fini. Mais c'était quand même plutôt pas mal comment il a démarré son week-end, on verra ça plus tard. N'attaquons pas Morbidelli. Ne stack pas trop Margot, s'il te plaît, parce qu'après, on squeeze des rubriques à cause de ce genre de remarques. Ouais, c'est vrai. Allez, le résumé de ce débat. On va commencer par, forcément, notre cher ami Viñales. Est-ce un nouveau Viñales, puisqu'il a fait un week-end parfait, pole position, victoire en sprint, qu'il avait aussi gagné trois semaines avant au Portugal, et victoire en Grand Prix, comme on l'a dit, sa première sur l'Aprilia, mais cela durera-t-il ? Avant de vous poser cette petite question sur Viñales, est-ce que vous attendiez à voir un Viñales aussi fort ? Bah non, je vais commencer parce que sinon il va m'attaquer d'entrée. Oui, c'est exactement pour ça que je te donnais la parole. Non, mais je le sais, je ne suis pas le seul à avoir été surpris, les amis. Il nous a surpris, c'était une magnifique course, il nous a fait un week-end incroyable. En ratant son départ, franchement, quand je l'ai vu, je crois il était 11e au premier tour, ouais. Je me suis dit, ouais, c'est fini. Oh, la remontada de taré. Non, franchement, c'était incroyable. Donc je suis surpris quand même parce que ce n'est pas là où je le voyais vraiment performer. Je l'ai dit en début de saison, je le voyais vraiment flopper.
C'est pas le cas. Je m'en excuse. Je suis désolé, Maverick. Je t'offrirai une vraie panoplie de Batman parce que celle-là, elle est un peu cheap quand même, celle que tu utilises. Mais non, c'est vrai. Non, non, mais vraiment, vraiment surpris, incroyable. Mais je ne pense pas, on verra après que ça va continuer. Justement, avant de te donner la parole, n'hésitez pas, dans le chat, il y a un sondage qui va arriver. Est-ce que pour vous, Vinales est sur la bonne voie? Vous répondez par oui ou par non, vos réponses seront prises en compte. Et n'hésitez pas aussi à liker et à repartager ce débrief. On vous lit. Et maintenant, Rémi, je te laisse la parole. Est-ce que pour toi, ton petit poulain... Enfin, ton petit poulain, t'es plus petit, lui. Mais, Il a un peu plus que moi, quand même. Enfin, bon, là, ça part un peu... Ça va loin, quand même, là, si je peux faire... Non, mais attends... Je fais droit à Costa à chaque fois en disant que c'était son poulain, donc okay, c'est pour d'accord. ça qu'on voit la balle, tout simplement. Pour toi, est-ce que t'as été impressionné ou tu t'attendais quand même à une certaine... Non, je m'attendais à ce qu'il soit bon, parce qu'à Portimao, il y avait eu vraiment de la performance. Après, est-ce que ce soit à ce niveau? Peut-être pas, ce niveau de domination. C'est vrai, Christine, elle a raison, il y a encore eu un petit problème d'embrayage. Lui, il ne parle pas qu'il a raté son départ, il dit que voilà, au démarrage, il y a eu un petit problème avec l'embrayage. Et donc, tout au long de la course, non? Comment? Tout au long de la course, je ne sais pas si ça a eu un impact après, parce que dans tous les cas, il n'utilise plus... En fait, un départ, tu utilises l'embrayage, donc en fait, voilà. C'est toi qui gères ton embrayage. Voilà. Mais bon, voilà. Tu remets en doute ce que Vinales... Non, mais là, en fait, je suis relou, je vais être relou ce soir, surtout, vous allez voir. C'est que là où il y avait... En plus, le spectacle est encore plus dingue, c'est qu'on sait qu'avec l'aéro, on avait la réputation en MotoGP de voir moins de dépassements. Là, pour le coup, on en a eu beaucoup et on sait que ça pouvait augmenter la pression à l'avant parce qu'il y avait quand même un paquet, surtout au début de course, et que ça aurait pu empêcher Vinales de prendre confiance, surtout qu'il a pris du temps malgré tout. Il ne s'est pas précipité, il est monté petit à petit. À la mi-course, il commence à remonter dans le top 5. Donc franchement, c'était vraiment une course maîtrisée. On sentait qu'il était vraiment confiant et sûr de lui, même quand il était 11e, on l'a senti pas s'affoler. Et c'est là que j'ai trouvé intéressant, c'est que il a commencé à faire taire certaines critiques par rapport à son mental, parce qu'il a été mis quand même à l'épreuve pendant la course longue. Et voilà, je pense que Rémi a des actions chez Aprilia, c'est ça son secret. Merci Ophélie de le dire, mais c'est pas très sympa, parce que je suis juste observateur et je vois que Aprilia est à 2 points de KTM au classement des constructeurs. Ça tout simplement. Ouais, on verra Rérez. Bref, on va pas parler de Rérez. Allez. Est-ce qu'on peut se dire que quand on voit la performance de l'Aprilia, parce qu'il y a bien sûr le pilote, mais il y a aussi la moto, est-ce qu'on peut se dire qu'un Quartararo, même s'il dit le contraire, il peut un peu se dire j'ai peut-être nourrir pas fait regrets. Le bon choix. Nourrir des regrets. C'est plus français, comme tu dis, c'est plus joli. Parce que c'est... En fait, c'est un peu frustrant dans la mesure où on sait qu'il y avait une opportunité pour lui d'aller chercher ce guidon-là. En tant que supporter, c'est frustrant, je veux dire. Après, en tant que pilote, c'est compliqué à dire. Là, on a vu qu'il y avait eu un nouvel échappement qui prenait de la place, d'ailleurs, sur la moto, pendant le Grand Prix des Amériques. Mais voilà, tout au long du week-end, il a expliqué. Pour le coup, il a eu un discours qui était assez cohérent par rapport à son renouvellement de contrat en disant « On a presque utilisé cette course comme une séance d'essai, on a l'impression, parce qu'il a dit qu'on n'avait jamais essayé autant de choses sur la moto depuis... en week-end de course, tout simplement. Donc, on reste loin. Son coéquipier a fait un bon début de course et il a fini par dégringoler au classement et à la fin par chuter, Alex Rins. Donc, il n'y a pas encore du mieux pour Yamaha. C'est presque plutôt inquiétant parce que la distance par rapport au premier est de toujours plus importante par rapport à l'année dernière. Donc, est-ce qu'il nourrit des regrets? Pas pour le moment, c'est sûr et certain, mais c'est vrai qu'on se dit que s'il avait eu cette moto définitivement l'année prochaine, il aurait pu dormir sous ses deux oreilles, quoi. Une Aprilia, du coup, qui fonctionne. Est-ce qu'on peut se dire qu'un Vinales, je te laisse l'honneur, qu'un Vinales peut se battre pour le titre? J'adore cette question parce que généralement, tout le monde me dit « mais t'es folle !» Mes chers compatriotes. Oui. Bah, tu vois, j'ai pris l'exemple de Rémi tout à l'heure. Et je vais parler comme un homme politique, alors, avec les mains, tu sais, sur la table, et en disant « écoutez, Madame Leventreau... » je vais me tenir comme ça maintenant, parce que... Non, en plus, j'ai eu pas mal de messages. Tout va commencer vraiment à Jerez. Alors, je pense que ça a quand même bien commencé à Austin sur la hiérarchie. Quand tu vois le classement, hein, on parlera de Rory Martin après. Mais Vinales, je suis désolé, il a un passif qui me fait peur encore. Je lui souhaite, moi, j'aimerais qu'il puisse jouer le titre. On aimerait avoir plusieurs constructeurs qui jouent le titre. Mais Vinales, à un moment, quand Espargaro, son collègue de boxe, va être mieux, parce qu'on sait que Espargaro à Austin, c'est pas son circuit, Ça peut être différent pour Vinales à côté. Ça a toujours été... là-dessus, il a toujours été fragile, on ne va pas se mentir mentalement. Et même quand il a avoué qu'il a vécu des moments très difficiles, heureusement qu'il y avait sa famille. Pour moi, ça me touche, c'est beau, mais c'est un aveu de faiblesse déjà.
Donc j'ai un petit peu peur pour la suite. Ah ouais, t'es dur. Oui, non, mais aujourd'hui, je suis dur. Non, aujourd'hui, je suis très dur. Parce que toi, tu penses qu'il peut jouer le titre ? En fait, c'est que pour moi, vraiment, le juge de paix, pour le coup, ça va être Jerez. Alors, je vois Ben, la vraie hiérarchie, elle commence toujours à Jerez. C'est un peu vrai. Même si, pour moi, il faut attendre malgré tout 6-7 Grands Prix. Mais Vinales, si à Jerez, il enchaîne de nouveau... Pour moi, ouais, il peut rentrer dans la course au titre sérieusement parce que ça, il rentrera dans une nouvelle dynamique et surtout c'est que là, avec le week-end qu'il nous a fait là, le fait on sait qu'à Portimao il était rapide, tous ses concurrents, ils vont craindre Vinales en arrivant à Jerez. C'est que on va craindre les KTM parce qu'elles vont être rapides, mais on va craindre Vinales aussi. Non mais il peut enchaîner, d'accord. il l'a fait chez Yamaha, il peut enchaîner plusieurs courses, mais à un moment il y a quelque chose qui va se passer. Malheureusement, et ça. Je trouve qu'il enchaînait pas souvent. C'est que même quand il était chez Yamaha en 2017, il gagne les deux premiers Grands Prix. Après, il y a une chute. Après, il fait 6. Après, il revient sur un podium. Enfin, tu vois, je trouve que la passe de 3, elle n'est pas souvent arrivée chez Vinales. Et je pense que ça peut être un bon signe si jamais il conclut avec un nouveau podium. Parce que la victoire, je sais pas s'il peut la jouer à Jerez, mais d'être sur le podium, ça peut être un bel objectif pour lui. Quoi. Il y a Pedrosa à Jerez. Donc. À Jerez. Dans les commentaires. D'ailleurs, donc, pour 73%. Vous m'avez fait une feinte, encore une fois, pour 73% d'entre vous. Oui, Vinales est sur la bonne voie. Donc, à voir. Coucou, Ludo. Et Ludo, Ludo, nous, on est là, quoi. Vous avez vu, je suis relou aujourd'hui. Ouais, ouais. Je crois que c'est qui c'est, en plus. Allez, on passe à la deuxième partie de ce débat, à savoir Rory Martin. Est-il devenu un solide leader ? Parce que pour l'instant, c'est le premier au championnat avec 21 points. Il est en soi régulier. Est-ce que ses mauvais travers peuvent revenir et peuvent lui jouer des tours ? Moi, j'y crois pas. Là, pour moi, honnêtement, Jorge Martin, il est taille patron cette année. Il est taille patron. Il avait l'occasion ce week-end de se trouer. Il y a eu deux énormes chutes dont tu pourras faire une belle analyse, Yann, parce que je sais que ça t'a marqué. Mais pour moi, ces deux grosses chutes auraient pu le calmer. Parce que honnêtement, il s'est pris des volumes à haute vitesse. Et derrière ça, il termine avec un podium en sprint, une quatrième place avec, où il perd du grip à la fin. Et les trois devant lui ont tout simplement été meilleurs que lui. Il aurait pu s'affoler, il aurait pu faire une erreur, surtout sur un circuit bosselé comme ça. On peut essayer de pousser et être poussé à l'erreur. Et au final, il ne l'a pas fait. Et pour moi, c'est tout simplement la preuve qu'aujourd'hui, en sprint, il est rapide. En course longue, il est rapide. Sa pire place c'était hier à Austin, il termine 4e, il a toujours été dans le top 4. C'est ce qu'il a dit, hein. Ça va. Honnêtement, ça va quoi. Pour moi aujourd'hui, il a la possibilité d'être le premier pilote champion dans un team privé dans l'ère MotoGP. Avant de te donner la parole, Yann, n'hésitez pas aussi dans le chat, nouveau sondage, on va vous en donner plusieurs pour ce débat parce qu'il y a plusieurs questions. Martin est-il devenu un solide leader selon vous ? Est-ce que vous êtes d'accord avec Rémi ou non ? Yann, est-ce que pour toi, est-ce que tu peux revenir effectivement sur ces deux chutes qui, visiblement, pour toi, disent le contraire ? En fait, Martin, alors, il est en tête du championnat, il est bien installé. Maintenant, il y a beaucoup de points encore à distribuer, on ne va pas s'emporter, mais il y a aussi des erreurs de ses rivaux. Il y a eu des erreurs. Tu parlais tout à l'heure, on en parlait, de la chute, de l'incident entre Bagnaia et Marquez. Ça en fait partie. Voilà, pour l'instant, pour moi, il est là, mais ça peut être différent. Et ce qui s'est passé en qualif, pour moi, c'est là où je retrouvais le Martin de cette dernière saison. Il est capable de faire des erreurs. Il s'en est bien sorti. Mais à un moment, il dégoupille, c'est bien, mais il dégoupille trop, quoi. Et je reste convaincu qu'il s'en fiche d'être en tête du championnat. Il veut être devant Bastianini. Oh, il s'en fiche, je sais pas, quand même pas. J'exagère peut-être, ouais. Ok, un peu, ouais. Mais il veut être... Bah, il oui, veut être... Non, attends, laisse-moi terminer. Il veut être devant Bastianini. Il a le seum encore, je parle comme les plus jeunes, de ne pas avoir été sur la Ducati officielle. Non, mais c'est ça. Et là, ça se sent même dans les propos, dans la façon de regarder en conférence de presse Bastianini. Il veut être devant lui. Et pour moi, ça peut le pousser à l'erreur. Mais d'ailleurs, est-ce que sa fougue, qui est quand même l'un de ses points forts, ça va pas le... Moi, pour l'instant, il n'y a pas de signe, excepté la chute, la double chute qu'il va prendre. Pour moi, c'est pas un symptôme, quoi. En gros, c'est justement, c'était derrière, si derrière, ça le calmait. Docteur Guyot, quoi. Et que... Non, mais si derrière, il y avait un manque de performance, je dis pas. Mais derrière, il est là encore. Il maîtrise son sujet. Genre, c'est... Pour moi, franchement, il m'a impressionné. Vraiment, en termes de performance, de terminer quatrième dans ces conditions sur un circuit où vraiment, il aurait pu être poussé à la faute. Vraiment. Non, mais je suis d'accord. Il est plus mature, il a évolué. Mais je pense qu'il y a un petit truc qui le titille, c'est cette histoire de place sur la Ducati. Vraiment. Ouais, je pense que c'est ça qui va aller la chercher. Il va aller la chercher.
Voilà. Sûr. Donc non, je suis d'accord. Il ne faut pas qu'il s'enflamme. Non, mais il s'enflamme pas. Mais c'est vraiment cette histoire-là. J'ai pas à la répéter 10 fois parce que désolé, mais c'est ça qui me fait un peu peur. J'aimerais qu'il soit devant. J'aimerais qu'un pilote d'un team satellite soit champion du monde. Mais ça fait rêver. Ça fait un petit peu peur. Et puis on est qu'au début de saison. Je suis désolé. Il y a encore. Non, mais c'est sûr qu'on se souvient plus de la fin de saison que du début. Mais quand tu commences comme ça avec la fin de saison et la saison qu'il a faite l'année dernière, c'est que ça remet quand même dans le bon axe. Surtout que derrière, bah il y a un peu des faux pas quoi. Et un autre point, je suis d'accord avec toi, c'est que la Ducati, la GP24, lui, ça, il a compris la moto et je pense qu'il a encore de la marge, à la différence de ses collègues. Mais sur ce petit détail, on verra. Pour rappel, pour les courses principales, donc pour le Grand Prix, depuis le début de la saison, au Qatar, pour Martin, c'est 3e place, également au Portugal et du coup, P4 ce week-end. Donc on est quand même sur quelqu'un de régulier. Mais ce n'est pas le seul, on va en parler après. Il y a aussi Bastianini. Je vous propose que l'on passe au 3e pilote de ce débat. Voilà. Est-ce que le championnat est en train de se décider? Marquez est-il là où nous l'attendions? Je connais un peu la réponse de manière générale, mais on est quand même sur 2 résultats blancs qui conduisent à la 8e place du championnat, je crois à une 30aine de points. Est-ce que l'adaptation avec la Ducati, est-ce qu'elle n'est pas finalement un peu plus compliquée que ce à quoi on s'attendait, Rémi? Bien sûr qu'avant même les essais hivernaux, on se disait, bon, Marquez sur une Ducati, ça joue le titre, même chez Gresini. Donc après, il y a eu les essais hivernaux, il a bien commencé à Valence, c'était un peu plus compliqué sur les 2 suivants. Et on s'est dit, bon, au début, ça va jouer le top 5 et on va voir comment ça va évoluer. Austin, c'est son circuit, c'est là où il était le maestro avec le Sachsenring et ça ne l'a pas fait. Donc, il joue encore une fois en sprint, il est une nouvelle fois performant, il monte sur le podium, mais par contre, sur la course longue, bah, là, pour le coup, c'était un problème de frein, apparemment, et bon, voilà, il y a eu cette erreur aussi avec Pecco à Portimao, qui est un fait de course aussi, et bah, ça fait malgré tout deux résultats blancs à la fin. Donc, là où on l'attendait, ça me paraît cohérent par rapport au Qatar, de ce qu'on a vu, voilà, c'est que ça joue le top 5 régulièrement. Je pense qu'il va gagner des courses dans la saison, mais pour moi, ce qui se dessine, c'est qu'il ne va pas aller chercher le titre cette année. Et je pense que c'est juste qu'il va constamment se situer dans les prétendants à la victoire, dans les prétendants au podium, et qu'il va être régulier à ce niveau-là, plus il y aura des chutes, comme on connaît Marc par moment. Nouveau sondage dans le chat, à savoir, est-ce que pour vous, Marquez est-il là où vous l'attendiez? Pareil, répondez par oui ou par non. Après, Yann, en soi, Marquez a quand même été leader à un moment donné de cette course. On peut aussi retenir ça. Alors, il y a un point où je trouve qu'il n'est pas, ça se voit qu'il n'est pas encore à l'aise à 100% sur cette moto, mais en même temps, avec la GP23, c'est le seul qui arrive à vraiment un petit peu s'en sortir quand même. Enfin, un petit peu, autres sont bien loin, s'en sortir. Pour moi, hier, il y a eu un problème technique. Là où il tombe, c'est pas de la pipette. Là où il tombe, c'est un problème technique, un problème de frein qu'il avait eu plusieurs tours avant. Ouais, là, il est tombé. Je pense que, alors, il n'aurait peut-être pas gagné la course, mais ça aurait été, on aurait eu encore plus de spectacle derrière. Donc, ça reste Marc Marquez à Austin. On l'a vu, il a quand même bien roulé. On s'attendait à ce qu'il explose tout, ce qui n'a pas été le cas. Non, il n'est pas là où on l'attend. Mais hier, il aurait pu faire deuxième. Il aurait fait 2 podiums d'affilée entre la course sprint et la course longue. Donc, j'attends de voir quand même sur les prochaines courses. Et après, on parlera peut-être un peu de ce problème de la GP23 et aussi de la GP24. Je pense qu'avec un nouveau pneu Michelin qui est arrivé, avec des nouveaux composants, Ducati galère un petit peu. Mais on en parlera un peu plus tard. Bah, dès qu'il a chuté, c'était toute sa déception parce qu'on l'attend, cette victoire en soi, de le voir revenir au haut niveau depuis sa chute de Jerez. On sait que voilà, c'est un autre Marc Marquez qu'on a. Mais ça nous a déçus. On sent que dès qu'il chute, on perd quelqu'un d'important pour le spectacle aussi. Donc c'est ça où on aime retrouver avec Marc Marquez aux avant-postes. Et il en manque encore un petit peu. Est-ce que c'est la GP 2023 par rapport à la 2024? Est-ce que c'est lui avec la Ducati? C'est encore compliqué à dire. Mais c'est vrai qu'il manque encore quelque chose. Et lui, à chaque fois, donc là, avant le Grand Prix d'Austin, il disait que son rêve, c'était de gagner, parce qu'il a quand même 8 victoires sur ce circuit en MotoGP, toujours avec Honda à chaque fois, bien évidemment. À chaque fois, il vient, il temporise tout le monde en disant « Oui, on le sait, tout le monde veut que je gagne. » Mais est-ce que finalement, ce n'est pas nous qui en attendons vraiment trop de lui? Il l'a dit aussi, hein, que de ne pas attendre de retrouver le même Marc Marquez qu'à ses débuts en MotoGP. Il ne prendrait pas les mêmes risques, il n'aurait pas la même approche dans la course, il nous a prévenus, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas si étonnant que ça de le voir régulièrement. En gros, sa place aujourd'hui, c'est entre 3 et 6 à la régulière. Et que s'il va chercher au-dessus, c'est qu'on sera super content de le voir. Je pense qu'il y aura des circuits où on va le voir jouer la victoire de manière vraiment, vraiment sûre, parce que là, derrière, Vinales, elle est arrivée. Et je pense que pour s'échapper, pour lui, ça aurait été un peu compliqué dans tous les cas. Mais
Mais oui, en tous les cas, il manque quelque chose et on voit que pour l'instant, et c'est pas le Marc Marquez qu'on reconnaît. Il est moins incisif qu'avant, mais je pense que c'est ce qu'il disait en début d'année. Cette moto, tu l'as fait tourner avec l'arrière et pas avec l'avant comme il l'avait fait avec la Honda. Et je pense que ça va passer par là. Par contre, s'il trouve une solution à la façon d'entrer dans les virages, là, je pense que là, on va retrouver un vrai Marc Marquez où ça va être borderline à des moments. Bon, moi, c'est ce que j'attends, mais on verra quoi. Donc, en tout cas, pour 62% d'entre vous, non, il n'est pas là où nous l'attendions. Et nous allons passer au quatrième pilote de ce débat, à savoir Bagnaia. Bagnaia, bousculé, parce qu'il se retrouve à la cinquième place du championnat. Est-ce que c'est un début de saison lambda pour le champion titre, Yann? Parce qu'en soi, ces deux débuts de saison dernière, en 2022 et 2023, il n'est pas forcément devant. Non, mais à chaque fois, c'est souvent comme ça avec Bagnaia. Ça démarre doucement. Et après, quand ça arrive en Europe, ça commence à se transformer. Donc, ça va être intéressant de voir Derrérez. Et ensuite, ça va enchaîner sur le Grand Prix de France et le Mugello. Mais non, après, il se plaint de ce problème. Et ce n'est pas le seul de vibration avec cette GP24. Et en fait, voilà, apparemment, ce serait à cause du nouveau pneu Michelin. Alors, c'est un pneu qu'ils ont validé l'an dernier pendant des essais. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a vraiment beaucoup de grippe, apparemment, avec ces pneus. C'est une structure qui est un peu plus dure là-dessus. Et apparemment, Ducati a vraiment des galères là-dessus. Mais je pense que quand ils vont trouver la solution, Bagnaia, ça va être un peu moins compliqué. Je suis moins certain, tu vois. Je suis plutôt d'accord avec Kawa Ninja, qui dit qu'il prend moins de risques aux essais et du coup, il sert moins la limite en course. C'est que l'année dernière, il chute quand il est en tête, quand il est vraiment en train d'exploser tout le monde. Il chute de manière assez aux États-Unis et puis même le début de saison. Ah. C'était plusieurs fois dans la saison, l'année dernière, c'est ce qu'il a fait, quoi. C'est qu'il était vraiment dominateur et il chute même au moment quand il, même si c'était pas vraiment, il était pas vraiment devant, mais il était bien malgré tout. Et je crois que c'est avec Vignales qui se percute, un truc comme ça au moment. Mais bon, bref, dans tous les cas, je veux dire, c'est que moi, je prends plus de risques aux essais. Vendredi, il nous a fait une super FP, une FP1, donc non, je ne suis pas forcément d'accord là-dessus. Ouais, je trouve qu'on a l'habitude de le voir monter en puissance, mais là, en sprint, c'est moins bien. Il n'a pas réussi à performer, il ne monte pas sur le podium en sprint depuis le début de l'année. Moi, je trouve que, excepté le Qatar, où c'était vraiment solide quand il gagne sa course longue, où on a fait un week-end à la Bagnaia, où ça commence doucement et ça termine fort, là, justement, ça n'a pas été le cas. Est-ce que les autres ont été particulièrement forts sur un circuit atypique parce qu'on est sur un circuit très bosselé, etc. Quand il commence à se plaindre un petit peu de la moto, pour moi c'est parce que c'est un pilote qui termine cinquième et qui se fait battre par son coéquipier et que voilà, dans l'instant on va pas forcément se remettre en question soi tout de suite, sachant qu'on sait qu'il va être prétendant au titre. Mais Pecco, je mettrais quand même une petite inquiétude, j'attends vraiment mieux de lui des GRS pour voir s'il va aller pouvoir remonter sur Martienne. Justement, est-ce que vous aussi vous êtes inquiet pour Pecco? Petit sondage une nouvelle fois, est-ce que Bagnaia est bousculé par les autres, selon vous? Non, mais il n'a pas la pression. Enfin, il a été deux fois champion du monde, où il fallait gérer la pression, surtout en fin d'année. C'est quelqu'un, ça y est, il est installé, il sait gérer un championnat. Ouais, mais il a des défauts, on attend de lui qu'il les gomme aussi un petit peu. Je pense que justement, dans un championnat, à part peut-être un pilote, on va en parler après, mais tout le monde a des défauts. Il y a des erreurs maintenant chaque année de tous les prétendants au titre. Donc, pour moi, je ne m'inquiète pas tant que ça pour Bagnaia. Donc là, si on résume, on peut quand même mettre un paquet de pilotes pour se battre pour le titre. Parce que là, dans le débat, on met Martin, on met Bagnaia, on met Vignales, du coup. Potentiellement, Rérez, à voir, oui. On a mis Marquez, mais finalement, non. En fait, non. Ouais. Donc finalement, c'est un championnat qui est ouvert. On va aussi parler de Bastianini et d'Acosta après. C'est un championnat qui est ouvert, mais en même temps, vraiment de pilote qui se démarque plus à part Martin. Moi, je vois Martin. C'est pour ça que je parle de Martin comme vraiment le patron cette année. C'est pour ça. C'est parce que derrière, il y a des pilotes qui ont des points faibles. Et que lui, s'il se révèle être le plus régulier, parce qu'aujourd'hui, sur la régularité, sur le podium, c'était Pecco qui pouvait le challenger un petit peu. Il ne nous fait pas le début de saison rêver. Il y a eu cette erreur de Portimao qui lui coûte cher, mais bon, c'était pour une quatrième place avec Marquez. Mais c'était pas incroyable non plus, quoi. Non, mais le commentaire d'Ophélie. On en a parlé nous cet après-midi, c'est qu'on a tendance là à chaque émission à s'emporter sur le... C'est humain, c'est normal, on est tous pareils sur le fait qui va être champion, qui sont les prétendants. Ça commence un petit peu à se dessiner, mais quand tu vois le nombre de courses qui restent, c'est un truc de fou. Ça peut se renverser. Mais... Je comprends effectivement le commentaire d'Ophélie, il y a beaucoup trop d'attentes sur le champion du monde alors qu'il reste encore 17 courses. Mais quand tu es champion du monde,
Bah tu dois rentrer différent. Tu dois rentrer dans le championnat directement. C'est ça, tu es censé être devant, tu es la référence. Surtout que Bastianini, on attendait vraiment de lui qu'il soit devant. Il est finalement, il est devant lui au championnat, devant lui en course. Et c'est surprenant pour nous, de ne pas voir Pecco devant lui à la régulière, de ne pas voir Pecco être capable d'être devant Martin. Moi, je trouve ça assez surprenant. Et sans parler de lui, titrable, pas titrable, c'est sûr qu'il va renverser la vapeur tôt ou tard et qu'il y aura une période forte de Pecco Bagnaia. C'est sûr qu'elle va arriver dans la saison. Mais ce début de saison, c'est pas le meilleur et on attend mieux et c'est pour ça qu'on s'inquiète un petit peu, c'est qu'on se dit à quel moment ça va basculer parce que Jerez, même s'il a gagné l'année dernière, il y aura de la concurrence sérieuse, très sérieuse. Les autres saisons, il y a eu de la concurrence. À un moment, KTM, il y a de la Aprilia, les Ducati, elles sont proches. C'est pas tout à fait pareil. On sent que là, on va s'amuser quoi. On a eu 3 marques sur le podium là, donc c'est quand même. C'est quand même à souligner, c'est pas souvent que ça arrivait. Dont la Ducati derrière les deux autres marques. Ouais. À souligner quand même. Ouais, non, c'était pour ça, c'était vraiment intéressant. Donc, et pour clôturer ce sondage, Bagnaia bousculé par les autres, oui pour 44% d'entre vous, non pour 56% d'entre vous. Donc, équilibré. C'est assez équilibré. Ouais, équilibré, donc débat pertinent, non, mon cher Yann. Non, mais oui, pertinent, je suis d'accord. Il n'y a pas de haine contre Bagnaia, on échange juste simplement sur le fait que Rémi le voit un peu moins bien, moi un peu mieux, voilà. Après, il n'y a pas de haine là-dessus, c'est juste que c'est un constat, quoi, et c'est un débat surtout. Le commentaire de Ludo est donc dans votre dessin du championnat du champion du monde, pas d'Acosta, podium. Justement, nous allons en parler dans Time Attack. Donc c'est ça. Time Attack, on commence avec le coup de cœur, le wheeling. On n'a pas trop eu à débattre quand on a préparé l'émission et nous allons parler forcément pour ce wheeling de Pedro Acosta. Phénoménal, une fois de plus. Et j'ai quand même une question pour vous, parce que je veux bien, comme j'ai dit sur Twitter... Il est espagnol, c'est ça que tu voulais savoir? Je veux bien, comme j'ai dit sur Twitter, que je suis un peu trop hypée, peut-être, pour certains d'entre vous, par le phénomène qui est Pedro Acosta, mais il va falloir m'expliquer comment il arrive à freiner aussi ses freinages et comment ça passe. Ah, mais comment il tourne? Tout, en fait. Tout. Cette rage aussi. Mais en fait, il arrive, il révolutionne, il va révolutionner son sport aussi, comme l'a fait Marquez, comme l'a fait Rossi. Je m'emporte beaucoup, t'as vu, je suis devenu comme toi là-dessus. Mais non, mais c'est incroyable ce qu'il fait. Non, mais t'es d'accord avec moi? Là, pour l'instant, je peux pas ne pas être d'accord avec toi, mon cher Yann, c'est dur à dire. Mais attends, est-ce que c'est bon, t'es dans notre. Là, je suis totalement monté dans le train. Je l'ai annoncé sur Twitter, j'ai dit, je suis monté dans le train, c'est bon à la FP1. Dans le TER de la hype. Le TER de la hype, c'est ça. Attends, mais FP1, il a chaussé un train de neuf. Non, mais c'est que, oui, mais c'est que même, il était premier tout au long de la séance, enfin, longtemps dans la séance, il termine dans le top 3, il me semble, enfin, il est vraiment bien dès le début. Il découvre le circuit sur une KTM, c'est un circuit les plus complexes, les plus longs de la saison, donc potentiellement là où il y a le plus d'écart, etc. Et il est déjà aux avant-postes. Là, franchement, quand il fait ça, tout de suite, tu sais qu'il n'est pas fait comme les autres, et à la fin, la course qu'il nous réalise, mais pff, qu'est-ce qu'on peut dire? Honnêtement, je t'ai taquiné sur le top 5, phase finale. Bah là, franchement, je peux que m'aplatir. Marc Marquez, il avait annoncé qu'il serait prétendant au titre. Je me disais, bon, il s'emballe un peu, le Marco, là, quand même. Et franchement, là, il y a des surnoms maintenant, le Marco. Mais il a raison, quoi. Et puis, un détail, c'est que tu l'écoutes en interview, il kiffe quand ça tourne. Ah oui, machin. Oui. Tu sens qu'il ne va pas pleurer. Lui. Au contraire, hein, mais il y a de la bagarre, ça me rappelle les courses en moto 3, ça touche, c'est machin. Mais merci, gars. Je t'aime, ouais. T'aime tous ici, même dans le chat, j'espère. Bah là, il a apporté un vrai plus à la course. Sans lui, dans la course, ouais, on n'était pas la même course. Donc, c'est tout simplement, là, on a vraiment... Par contre, ne change rien, ne reste pas sérieux, ne deviens pas sérieux, reste comme tu es, garde ta fraîcheur, s'il te plaît, mais pendant 10 ans, quoi. J'ai vu quelque chose passer comme ça, j'ai pas eu le temps d'ouvrir l'article, mais qui disait que les pilotes devaient un petit peu moins se prendre au sérieux, d'après ce que j'ai compris. Il faudra qu'on en reparle pour le prochain... Tu l'as vu? Non, j'ai pas vu, mais pour moi, c'est le genre de débat de, comment dire, d'ego, tu sais, de mental. Pour essayer de déstabiliser, dire j'ai confiance, etc. entre les pilotes. Ouais, ça, c'est ce qu'on entend presque tous les week-ends. Oui, mais ça fait plaisir venant d'un jeune de 19 ans. C'est ça, 18 ans. Non, il va avoir... Il va avoir 19, là. Il va avoir 19 ans, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, il a quand même passé 6 tours en tête, devant Marc Marquez. Ouais, non, mais franchement, c'était... Ouais, en décontraction, tranquille. Tout, même, normal. Même en course de sprint, il y a un moment, il y a une trajectoire qui prend au bout de la ligne droite, la longue ligne droite de presque 2 km, là, où il tourne plus tard que tout le monde, il freine plus tard que tout le monde. Tu regardes, tu te dis, mais c'est qui ce martien, quoi? C'est vraiment, c'est ça. Et il met les KTM officiels loin derrière. C'est lui le leader maintenant. On a parlé de Binder en disant, après le Qatar, potentiellement titrable en attendant les prochaines courses, voir s'il garde cette régularité-là. Bah non. Alors bon, lui, s'était blessé un peu en motocross. Il boitait légèrement en descendant de la moto, donc on va dire pas à 100%. Miller nous a fait du Miller, mais Pedro Acosta, à la fin, ça a été lui la référence.
Et c'est juste incroyable. Je pense que le papier peint, chez Binder et Millar, c'est les datas d'Acosta, quoi. Franchement, non, mais à un moment, ils vont se poser des questions. Là. Ah bah c'est sûr. Quand c'est comme ça, surtout que c'est, bon, il arrive de nulle part, et surtout à Austin, quoi. Mais il faut le répéter, ce circuit, il est tellement atypique. Ouais. Que si t'arrives là-bas, que t'es vite, mais ouf, quand tu vas arriver à Jerez. Et en plus, hein, 3, 2, je sais plus combien il a fait au Qatar, mais il a fait. Ouais, bah la prochaine, normalement, c'est normalement, bon. Normalement, c'est. Bah là, c'est en fait, il fait, au cumul, il fait 9 points au Qatar, après il fait 19, après il fait 26 points. Enfin, en gros, il monte en puissance. Bah, là, honnêtement, bon, on va pas parler. Et s'il y a bien un pilote, moi, je me dis, lui, il fera pas d'erreur, c'est peut-être lui. Vraiment, on n'a pas vu encore, donc on sait pas. Juste, on ouais, sait c'est pas. Ça. Il y a juste eu la gestion pneumatique, mais ce qui est normal pour un rookie. Mais Il gère bien, en tout cas, pour l'instant. Bah oui, non, mais c'est pour ça. C'est on pour des ça. Points et tout, non, c'est top. Je vous propose qu'on passe à un sujet un petit peu moins glorieux, à savoir le burn, et le burn qui est le coup de gueule. Et nous allons commencer par Yann, le tien, qui n'était pas très content. On était sur les boss à un moment, mais c'était pas forcément... Moi, c'était le mien. Oui. C'était mais moi, non, moi, vraiment, c'est sur Honda. J'ai beau entendre que c'est en développement, franchement, ça me fait mal au cœur de les voir là. Mais quand tu vois le classement, les chronos, tu vois Mir. Les 4 derniers. Mir, il est tout le temps par terre. Dans ses déclarations, il ne sait même plus quoi répondre, je pense. Le press officer à côté, il doit être en déprime aussi. Non, mais franchement, mais de voir Honda à ce niveau-là, il t'a beau me dire que Bradle, il fait des tours à Rerez et tout ça. Et à un moment, ce n'est pas normal de voir le HRC à ce niveau-là. Et ça traîne. Ouais, c'est ça. Était là, quoi. On sait qu'ils mettent les moyens, ça bosse, il n'y a pas de problème, mais tu ne sais pas dans quelle direction ils vont. Zarco, en interview, il défend bien, hein. Il assure, il fait le taf là-dessus, et j'espère c'est lui qui sauve les meubles. Hein, c'est lui qui sauve les meubles, mais la violence, quoi. C'est interdit au moins de 18 ans, les gars. Là. C'est un fou. Hein, mais bon. Non, et puis honnêtement, non, là où Zarco, je pense qu'il rafraîchit du côté de chez Honda, c'est qu'au moins lui, il croit au projet, il se remet dedans, il apporte un peu de sang neuf. Alors que du côté, même si Marini lui aussi est neuf, pour le coup, c'est pas du tout la même approche pour le moment, quoi. Justement, cette approche, on en a parlé en interview avec Johan Zarco. Je lui ai posé cette question, quand on est double champion du monde, que généralement on se bat pour les titres, là on va dans un tout nouveau projet. Normalement, quand on est pilote en MotoGP, l'objectif c'est le titre, et qu'on sait que là, cette saison, ça ne va plus l'être. Comment on le vit ? Il m'a répondu à cette question. Eh bien, ça évolue énormément, et content que ça évolue... Ça a évolué assez rapidement dans ma tête. Parce que c'est clair qu'au moment... Donc je sais que je signe chez Honda avec cette proposition de 2 ans que Ducati ne voulait pas faire. Et je voulais voir un peu plus à long terme, justement, pour mieux rentrer dans une sorte d'objectif sportif, être moins sous pression à devoir performer. Parce que même en performant chez Ducati, on dirait que je n'étais pas vraiment voulu. J'étais voulu chez Pramac, mais pas chez Ducati. Et tu te dis, mince, pourtant, je fais le job, quoi. Même en côté développement, même si la moto est la meilleure, mes retours restent toujours intéressants. Donc là, l'ouverture de se dire, allez, on a la possibilité de faire 2 ans, de voir un peu plus à long terme, c'était bien agréable. Mais quand j'attaque les essais ou que ça y est, je change de moto, je change d'équipe en novembre 2023, il y a de la fatigue de la saison, il y a le plaisir d'avoir eu finalement cette victoire, les objectifs atteints, une belle 5e place au championnat, plein de bonnes choses. Et là, on se dit, mince, peut-être, ouais, du coup, je ne vais plus être en mesure de viser ça, alors qu'est-ce que je vais viser ? En quoi je vais croire ? Comme je dis, il faut se persuader de choses ou avoir des croyances, mais là, du coup, en quoi je crois ? Si je ne peux plus croire même en la victoire. C'était le sentiment au mois de novembre. Et en fait, pendant décembre, quand on récupère, on reprend un peu d'énergie, on se rend compte des choses. Parce qu'en fait, sous la fatigue, des fois, on a du mal à raisonner, quoi. Et là, voilà, pendant l'hiver, je me suis dit, en quoi je peux croire ? Et en fait, grâce aux sensations de la moto, même si les performances chrono n'étaient pas encore là, mais les sensations moto étaient pas mal du tout. Et là, je me suis dit, en fait, ça va, la moto ne va pas me limiter. Interview donc à retrouver sur la chaîne YouTube de Winamax, qui est déjà en ligne, et j'aimerais vous entendre là-dessus, parce qu'il dit « la moto ne va pas me limiter », et là, en l'occurrence, ce week-end, ça l'a quand même un peu limité. Quoi. Ouais, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est rare de la bouche d'un pilote d'être capable de différencier en fait, le moment où on est sous-performant
et souvent a tendance à tout de suite critiquer la moto et rester en boucle là-dessus. Alors que lui, en disant ça, c'est que même si les performances ne sont pas là, il croit au projet et se dit ça c'est positif, on va pouvoir travailler dessus. Donc en gros, dans son approche, je trouve qu'elle est assez intéressante et c'est assez rare en fait d'entendre des pilotes quand ils sont en situation de difficulté. Il ne se cache pas, et bien sûr que c'est la moto pour que ça aille moins bien entre l'année dernière et cette année, c'est sûr. Mais c'est qu'il croit au projet et se dit je me refuse des objectifs, et je trouve ça assez sympa de voir de la part d'un pilote qui était à la lutte pour la gagne régulièrement l'année dernière, quoi. Mais en fait, il dit, je pense que pas mal de pilotes fonctionnent comme ça, mais lui, il le dit. Oui, il le dit, exactement, je suis d'accord. C'est ça, il le dit. En fait, c'est... Clairement aussi. Il le dit clairement. De toute façon, ton interview, il dit clairement plein de choses. Il dit, mais c'est même sur la communication, les partenaires, c'est sans filtre, mais merci pour ça, quoi. C'est incroyable, je t'aime. J'aime beaucoup de personnes, mais je l'aime aussi particulièrement. Kevin beaucoup de déclarations. Ouais, Kevin Vegelo. Toi, il y a une déclaration que tu vas faire, peut-être pas très très bonne, c'est pour le circuit. Ouais, c'est les boss. Amériques. C'est ça, encore une fois, hein, mon cher Kawa Ninja, on est d'accord, encore une fois, ensemble. Mm. Donc, non, mais c'est vrai que les boss, c'est dommage parce que, alors, d'un point de vue spectacle, le circuit nous réserve toujours des beaux grands prix. On est content d'y aller malgré tout, d'un point de vue spectateur, mais c'est vrai que quand on termine le grand prix à 16, on sait que les pilotes qui sont un peu en difficulté pendant la course ont essayé de pousser et les boss, elles pardonnent pas là-bas. Même des fois, il faut adapter ses trajectoires par rapport à la boss, etc. Donc, ça fait partie du jeu, bien évidemment, et ça a été resurfacé dans les précédentes années pour essayer de gommer ça, mais d'autres, il y a des parties où ça reste et c'est compliqué parce que les Formule 1 et les voitures elles roulent là-bas. Ouais, donc ils ont fait ça sur un terrain à la base qui bouge, donc en plus. Voilà. Donc c'est juste dommage parce que c'est pour les pilotes, voilà, il y a des risques qui sont pris quand même et qui aujourd'hui n'ont pas créé de blessures, voilà, et qui nous privent de pilotes. Mais le jour où ça arrive, on peut vraiment se dire que c'est dommage parce que voilà, les mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir rouler à fond, c'est la moindre des choses. Je vous propose qu'on passe à une autre brique de Time Attack, Box, la surprise. Bastianini, c'est une surprise en fait de le voir deuxième au championnat, pour vous ou pas ? Bien sûr. Oui, bien sûr, c'est une surprise de le voir ici, c'est top. Je pense que ça correspond aussi aux erreurs de ses rivaux, mais il est discret, il fait ses courses, il évolue tranquillement avec cette GP24. À un moment, pour les signatures, pour les prolongations, je pense que Ducati va quand même vouloir des victoires et pas une deuxième place au championnat. Mais en tout cas, Bastianini, ça fait plaisir. Il est plus calme. Moi, je pense que c'est ce qui lui manque un tout petit peu encore. Donc, peut-être qu'il faut qu'il fasse maintenant encore avec la machine. Et quand ça va arriver, j'aimerais qu'il retrouve cette petite flamme écraser ses adversaires. Il est discret encore ce week-end. Ouais. Il est deuxième, mais il fait pas trop de bruit. Non, parce que quand on se souvient des saisons, quand il est arrivé, etc., on attendait justement de lui de venir bousculer la hiérarchie. Et là, aujourd'hui, il est chez la Ducati officielle, qui est chassé par Jorge Martin. Donc, on attend de lui d'être devant Pecco Bagnaia dès que lui est un peu moins bien, ou d'être devant Martin. Pour l'instant, il n'y arrive pas. Il est deuxième au championnat parce qu'il y a eu des erreurs de ses rivaux, comme Yann vient de le dire. Ça a commencé timidement au Qatar, mais là, il termine devant Pecco, et c'est à souligner, c'est bien. Et là, on voit ses résultats d'ailleurs. C'est qu'il y a une troisième place au Grand Prix au Portugal, une troisième place aux États-Unis. En sprint, il en manque encore. Quand même, ça fait trois fois sixième, mais ça suffit. Donc pour l'instant, on attend mieux de lui dans la mesure où il faut aller chercher de la victoire, il faut aller chercher aussi voilà, cette petite flamme. Là aujourd'hui, c'était Acosta Vinales qui se battait vraiment avec Marquez et Bastianini était vraiment un cran en dessous. Après, il monte crescendo en soi. Parce que je vois, va-t-il durer dans la saison ? Ça, oui, l'an dernier, forcément, il y a eu une blessure, c'était compliqué de revenir. Là, oui, pour moi, il va durer dans la saison. Maintenant, il va durer comment ? Est-ce qu'il va être devant Bagnaia, Martin ? Va falloir qu'il le soit à un moment ou à un autre pour garder sa place sur une Ducati. Hein. Et avec la manière, c'est ça qu'on veut dire, devant, manière. C'est avec la manière. Il joue la victoire bien devant, sûr. Tapant du point oui, sur la table. Oui, qu'il n'y ait pas d'erreur et que ça puisse battre dans le dernier virage, hein, Bagnaia et Martin, on rêve de ça. Comme à Sepang l'année dernière, où il s'est imposé avec la manière. Ouais, c'était bien. Ouais. Est-ce qu'il y en a un autre pilote qui va durer après la saison 2024 ? C'est la question qu'on se pose avec Aleix Espargaró, Map 8, la déclaration du week-end où le numéro 41 nous dit « Ce qui est important, c'est que je comprenne si je veux rester ou pas. Je n'ai pas encore vraiment décidé. Je veux attendre un peu plus, au moins jusqu'au Mugello, pour voir mon niveau et après, je me déciderai. » Est-ce que pour vous, vous le voyez encore en MotoGP en 2025 ? Compliqué à dire parce que déjà l'année dernière il se posait la question, il a une vie de famille voilà, qui prend de la place de plus en plus importante pour lui et surtout du côté de chez Aprilia on commence à se dire ça serait super de pouvoir choper Jorge Martin si jamais il met du temps à avoir un guidon officiel chez Ducati ou un Bastianini pourquoi pas, surtout si Vignales est rapide à causer, ça peut faire vraiment une belle dream team.
Donc, en 2025, vraiment, ça dépendra de lui. Pour l'instant, oui, c'est plus timide que l'année dernière aussi. On attend de mieux. Et lui aussi, quand il parle de ses performances, je pense que c'est à ce niveau-là. Est-ce qu'il va être capable de battre Maverick, sachant qu'il tombe sur un Maverick de gala depuis deux Grands Prix. Donc voilà, ça reste à voir. Mais je pense qu'Aprilia va lui laisser le temps. Et le Mugello, c'est plutôt pas mal parce que ça met du temps aussi à se mettre en place dans le transfert pour le reste. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à commenter. On vous lit et merci d'être avec nous pour ce débrief du Grand Prix des Amériques. Yann, Aprilia a dit en soi qu'il respectait Aleix Espargaró qui a quand même développé la moto depuis 8 ans. C'est classe de leur part et c'est mérité parce qu'il a quand même. Ils lui ont proposé aussi un contrat de pilote d'essai pour l'année prochaine. Je trouve que c'est une belle opportunité aussi et il faut le garder. Il faut le garder avec soi. Aleix Espargaró, si tu te souviens bien, sur toutes les marques, en tout cas Suzuki, où il est passé, il a quand même bien développé la moto. C'est un garçon qu'il faut garder. Maintenant, sur le choix, est-ce qu'il va rester en Grand Prix ? Je suis comme Rémi, je pense que ça va se dessiner en fonction de ses performances par la suite. Je pense qu'il peut encore gagner des courses, franchement, faire des podiums. Quand, de quelle manière ? Gagner des courses, je ne sais pas, mais faire des podiums, oui, c'est possible. Gagner des courses, Silverstone, peut-être. Où il est bien, Silverstone, ouais, il peut gagner, tu vois. Barcelone. Et il peut... Barcelone aussi. Barcelone aussi, s'il voit le drapeau à Damier, mais enfin voilà. Ça va, il s'est rattrapé l'année dernière. Calmons-nous. Je suis méchant, ouais, c'est vrai. Mais et du coup, est-ce que Aleix Espargaró devient une tête importante en fait de ce marché des transferts ? Bah, en fait, enfin, c'est qu'il vient, intéressant à partir du moment où on va voir comment ça va se décanter du côté de chez Ducati, parce que c'est plutôt là-bas qu'on regarde entre Martin et Bastianini, savoir qui va prendre l'ascendant. Pour l'instant, Bastianini, je l'ai vu tout à l'heure, il a encore un joker de l'année dernière, c'est Djibou qui le dit, donc on attend forcément un petit peu. Martin, il pousse très très fort, parce que là, pour l'instant, c'est lui l'homme à battre. Donc oui, ça rentre en compte, parce qu'il y aurait une place sur une très bonne moto à aller chercher. Après, qui va la chercher ? Maintenant, je pense que sur la Aprilia, il faut un pilote qui soit capable d'être champion du monde. Et ils n'ont pas ça. Pour l'instant, chez Aprilia. Alors, est-ce Maverick Vinales vient de gagner la course. Maverick Vinales peut. Non, je rigole. Je te taquine. Tu me taquines. Non, je pense que tu sais que j'ai raison. Ah, il a tiré la gueule direct. Tu vois. Il y a eu un commentaire tout à l'heure où c'était calma. Oui, calma. Oui, mais c'est parce que c'est sans doute un supporter KTM ou un ami Diane, c'est pour ça. Non, là, j'ai pas vu d'amis pour l'instant dans les derniers commentaires. Donc, allez, messieurs, passons à la dernière rubrique de Time Attack, à savoir le futur rookie. Donc, en Moto 2, Sergio Garcia a remporté la course ce week-end sur le circuit des Amériques. Mais il y a aussi un autre pilote qui s'est illustré à domicile, c'est Joe Roberts. Est-ce que ce n'est pas de bon augure pour Liberty Media et aussi pour Trackhouse, sachant qu'il a refusé une Aprilia quand même il y a quelques années? Pour moi, je pense que c'était presque la cerise sur le gâteau, parce que je pense qu'il aurait même pu monter s'il n'avait pas eu d'excellents résultats dans l'année, parce que voilà, on veut absolument un Américain en MotoGP. En plus de le faire aux États-Unis, en étant américain, dans le team américain. Enfin bref, là pour moi, je pense qu'il peut signer son contrat très prochainement. Ça risque de pas tarder pour lui parce que le timing est à exploiter du côté de Dorna s'ils veulent un américain l'année prochaine. On attendra sans doute de voir Gérez, mais pour moi, c'est vraiment le bon timing. Oui, enfin, c'est sûr, il va aller en MotoGP chez Trackhouse. Il a la bonne gueule, il parle bien, tout ça. Maintenant, en tant que pilote, pour moi, il devait gagner là, la course. Il a fait une erreur. Donc est-ce qu'il mérite sa place en MotoGP ? Ça, c'est une grande question, c'est un autre débat. Par contre, oui, il va y aller tranquille. On peut l'avoir, ce débat. Est-ce que pour toi, il la mérite ? Pour moi, il y a d'autres pilotes en Moto2 qui méritent plus une place en MotoGP, mais je comprends le processus Liberty Media, c'est déjà arrivé sur des nationalités. À un moment, on parlait de Jack Dixon, on voulait un Anglais pour remplacer Crutchlow, ça ne s'est pas fait. Mais... Après, je ne dis pas que c'est des mauvais pilotes, mais il y a d'autres pilotes qui méritent peut-être un peu plus là tout de suite, Lopez pour moi, ça y est, il est en train de rentrer dans le game, quoi. Donc ça fait partie des pilotes, mais c'est un pilote espagnol, donc et oui. Puis, on sait que depuis maintenant, on sait que les règles ne se suivent pas forcément entre performant Moto 2 et performant Moto GP, c'est pas forcément lié. Aujourd'hui, Joe Roberts, il a vraiment subi des grosses irrégularités lui aussi. On a attendu le moment où il pouvait monter chez Aprilia, c'était un moment où il a fait une belle saison. Là, il revient pas trop mal, pile au moment où on reparle de lui, parce que lui, il sait très bien que Liberty Media voudrait bien pousser, et ça pousse. Donc moi, je trouve que c'est assez intéressant de le voir devant, et je pense qu'il mérite sa place. Franchement, il mérite sa place, il l'a depuis longtemps, et rester longtemps en Moto2, c'est pas facile non plus. Il l'a depuis quelques saisons aussi, donc pourquoi pas un essai, honnêtement, et sachant que chez Trackhouse, aujourd'hui, Miguel Oliveira, Raúl Fernández, bon, on peut commencer à entendre un petit peu mieux aussi. Donc, et puis ça fait aussi... On a eu des Français chez Tech 3, on était super contents de voir un Américain dans un team américain, ça leur fera plaisir. Ouais, bien sûr. Grand bien. Mais maintenant, si une nationalité, tu veux un pilote plus tard,
plus de pilotes américains, plus de pilotes, je ne sais pas, je veux dire polonais, je suis d'origine polonaise, mais c'est dans le pays, ah ouais, c'est dans les championnats nationaux, c'est là où il y a un développement, il y a un vrai travail à faire. Donc oui, maintenant, il faut mettre un américain, mais il va falloir faire un gros travail dans les championnats nationaux pour mettre des graines et qu'on ait des différentes nationalités plus tard et qu'il y ait de la bagarre et du niveau, quoi. Le message est passé. J'ai l'impression d'être une politique quand je dis ça. Mais mm-hmm. Ça l'était. C'était politique. Merci, messieurs, pour cette revue du Grand Prix des Amériques. Et je vous propose qu'on se projette sur le Grand Prix d'Espagne qui se déroulera sur le circuit Ángel Nieto à Jerez. Je me suis fait couper par le générique. À l'aspi. Alors, messieurs, ma partie préférée de cette émission, allez-y, mouillez-vous. Qui vous voyez comme pilote sur le podium? Je vais te le piquer, on va tous le piquer. On le dit en même temps ou pas? Ouais, Victoire d'Acosta. Voilà. Okay, on la voit tous, je pense. Hein. Mais on merci, On la voit tous arriver gros comme un camion, je pense. Et Victoire, j'adore cette expression. Gros comme un camion. Gros comme un camion KTM, gros comme un camion gaz-gaz. C'est ça. Non mais franchement... Il y a des chances. Voilà, il y a des chances. La KTM, elle était super rapide. L'année dernière, c'était double podium, Binder, Miller et podium de Miller, c'est à souligner. Non mais t'imagines, podium avec Pedrosa, ce serait énorme, c'est et possible. Ça va sûrement arriver. Et surtout, ça serait les deux extrêmes, quoi, la nouvelle génération Pedrosa espagnole. Ouais, c'est pour ça. Donc franchement, c'était... Franchement, ça peut vraiment être juste incroyable. Quoi. N'hésitez pas à nous dire aussi dans les commentaires qui vous voyez vainqueur. Bon, visiblement, Acosta revient beaucoup. Copier-coller, les gars. Et aussi votre top 3. T'as dit quoi, moi? Copier-coller le mot, mettez Acosta, mettez-le 20 000 fois, hein, allez-y. Hein. C'est vraiment que la seule question que je me pose, c'est est-ce que Binder va revenir sur le podium, lui qui était l'année dernière, lui qui fait une bonne course au Qatar et qui depuis, c'était un peu moins bien. Je suis curieux parce que Pedrosa, c'est vrai qu'ils ont testé et il a dit que la moto était une fusée sur le circuit. Ah, même Paul Espargaro. Ouais, alors c'est dire. Oh, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Hein. Ah, vous l'avez vu. Hein. Cool. Tu critiques les pilotes KTM maintenant, donc c'est là que tu viens un peu. Non, Paul Espargaro, j'adore le chambrer. Par contre, ça se trouve, on va avoir un podium exclusivement gaz-gaz KTM. C'est pas impossible, moi non plus. Mais je mets ma petite pièce et moi, honnêtement, voilà, faut le dire, Vinales sera sur le podium. Ah, j'avais peur, je voulais saisir l'opportunité d'en parler. Je ne vais pas non plus te donner ça gratuitement et te coucher ce soir en étant content. Vinales sera sur le podium de ce Grand Prix et remontera potentiellement à la deuxième place du classement général devant Bastianini. Ça me paraît possible. Bagnagna. Parce que Vinales est troisième au championnat actuellement. Vinales est troisième. Mais... Et puis il est à 3 points de Bastianini. Donc honnêtement... Mais ils sont tous... Oui, Pecco à 50 30 points. C'est moi 30 points, ça s'image comme c'est, ça. Voilà. Mais, c'est un mouchoir de poche, on va dire. mais franchement, c'est ça. C'est, honnêtement, je pense que... Voilà, Acosta, Vinales, Marquez, il ressort souvent dans les commentaires. Ouais. C'est intéressant. Alors, moi, sprint, parce qu'il n'était pas trop mal en sprint, mais je pense que sur la course longue, franchement, Pedrosa, il peut monter, il peut le faire. J'ai envie de le mettre. Pedrosa, il n'a pas la même pression que les autres. Il arrive, il fait sa wildcard, il fait sa course. C'est un autre paramètre, mais tant mieux pour lui. Et sur la sprint, je mets quand même Martin. Je retiens Marquez, je mets Martin parce que pour moi, il est Cador là, cette année. Je pense aussi, je me permets de dire que Bagnaia, il n'y aura pas que des KTM et Gas-Gas, il y aura Bagnaia sur le podium parce que ça y est, sa saison, elle démarre là. C'est ce que j'allais dire. Il peut lancer sa saison. Exactement. À Jerez. Ouais. Il peut, et je ne le vois pas encore. Pour moi, il va falloir attendre le cinquième rendez-vous pour voir Pecco revenir aux avant-postes. Je pense que ça sera pas tout de suite. T'espères quand? Cinquième rendez-vous. Et honnêtement, je vois dans l'ordre, je mettrai Pedro Acosta pour la course longue. Je vois Pedro Acosta devant. Je vois Vinales P2 et Martin P3. Donc, je vois encore 3 marques sur le podium. Ok. Et je trouve que ça serait pas mal pour le championnat aussi au final. Et par contre, ça recrée l'écart entre KTM et Vinales au classement constructeur. Et bon, de toute façon, c'est à la fin qu'on fait les comptes. Oui. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. J'adore cette expression. Cool. On a été gâtés en expression là aujourd'hui. Batmav, va enchaîner. Par contre, il faut qu'on en parle là, de déguisement. Pour terminer l'émission, il nous reste 2 minutes. Moi, c'est mon idole, Batman, Christian Bale, tout ça, mais vraiment le personnage. Mais là, il faut juste lui offrir un vrai costume, quoi. Parce que là, ils ont les moyens, le machin. Bah ouais, ils peuvent payer ça, je sais pas, je sais appris. Ouais, après, c'était aux États-Unis, il fallait envoyer tout par caisse. Mais ça va, dans la valise en dessous de sa face, non? Bah non, t'as vu la taille du trophée, il faut faire de la place pour se fermer le trophée. Ah, mais il y a des mecs de chez DC Comics, ils auraient pu faire un vol Los Angeles-Austin, ils auraient pu, je sais pas, il y a un truc à faire. Après, je pense que Vinales, peut-être, il manque encore un petit peu d'impact aux USA, peut-être. Un petit peu, beaucoup. Un petit peu, quoi.
Il connaît Tom Cruise, donc c'est cool déjà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ah non, au niveau du cinéma, il est quand même calé. Hein. Bah oui, il a des refs à chaque fois qu'il y va, donc c'est pas mal. Et puis en s'appelant Maverick aussi, il a eu une belle occasion, quoi. Tu penses qu'il a son masque tout le temps dans son dans sa valise? Je pense que l'équipe est accueillie avec des masques en papier, donc je pense qu'ils ont dû les faire, les imprimer. Je sais comment ça se passe dans un team. C'est on a l'idée et on imprime sur la petite imprimante de l'ingé data, tu vois, derrière le camion. Et voilà comment ça s'est passé. Et ils ont bien découpé en tout cas. C'est le gars qui fait les stickers qui a fait ça. Merci messieurs pour ce débat, pour ce débrief même, c'était un plaisir. On se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix d'Espagne à Jerez, où peut-être que Pedro Acosta sera vainqueur, qui sait. Bon, c'est vous qui l'avez annoncé. Ouais, on verra. Plus jeune. Peut-être qu'il battra le record de précocité de Marc Marquez. Merci d'avoir été avec nous. L'émission est disponible en replay et bien évidemment en podcast. N'oubliez pas, il y a également l'interview de Johan Zarco qui a retrouvé sur la chaîne YouTube de Winamax. C'est la 3e fois que je le dis dans l'émission. Mais n'hésitez pas à aller la voir. C'était vraiment un long entretien avec le pilote français. Vous en apprenez encore plein sur le numéro 5 qui est Johan Zarco. Et je vous dis à dans 2 semaines. Salut. Salut à ciao, tous. Ciao. We'll be right back.